Bon matin tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Geneviève Cardinal, la présidente du comité d'éthique de la recherche, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis contente de pouvoir assister à l'implantation de la plateforme Nagano. Je pense que ça va être super. Je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Et sans plus tarder, je vous présente Greg Hubin qui est avec nous, qui est le concepteur de Nagano, puis qui va être là pour nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Donc, sans faire sa part, il y avait, le groupe d'avant était quand même plus matinal, mais il y avait plusieurs personnes quand même. Donc, avant de commencer à vous expliquer comment ça fonctionne Nagano, je vais quand même faire un petit aperçu, un petit tour pour vous dire en fait qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, Nagano est développé par la firme Semi Solutions Médicales, une petite firme, une petite PME toute petite de Montréal. À la base, on fait un dossier patient informatique pour les soins intensifs et la néphrologie. La particularité de notre firme, en fait, c'est que depuis le début des temps de la firme, je ne sais pas, disons, pas depuis le début des temps, mais depuis que nous, en fait, on est entré en affaires, on développe nos applications sous format web-based. Donc, c'était une particularité de l'entreprise. Et c'est ce qui a fait justement qu'on s'est retrouvé à développer Nagano, parce qu'on était à l'époque à l'hôpital Sacré-Cœur avec nos différents projets. Et Madame André Leboeuf de l'hôpital Sacré-Cœur, qui était à la tête du. En fait, qui gérait et qui coordonnait l'éthique, cherchait une solution pour avoir un registre informatique pour ses projets de recherche. Et évidemment, ben, elle voulait pouvoir accéder de ça à distance. Et donc, elle cherchait une solution web. À l'époque, à l'hôpital Sacré-Cœur, on était à peu près les seuls, je pense même les seuls, à avoir une solution, en fait, à avoir des logiciels qui étaient web-based. Donc, elle est venue nous rencontrer, nous a demandé de proposer, de soumissionner sur son projet. Finalement, on a remporté la soumission. Et on était tous bien excités parce qu'elle nous a expliqué que le domaine de l'éthique, c'est régi par des lois, etc., par des règlements, puis par des cadres de référence. Donc, j'en fais un, ça marche partout pareil. Donc, elle dit, vous allez voir, vous allez aimer ça, c'est le fun. Et donc, on a développé Nagano avec elle. À l'époque, ça s'appelait plutôt STEM, électronique de dépôt de projets de recherche pour évaluation scientifique et évaluation éthique. Donc, on a développé notre système avec elle, version 1, puis après ça, une version 2, parce qu'on comprenait un peu plus le mécanisme. Et on s'est retrouvé à présenter notre projet à différents centres, et le CHU de Québec a décidé d'aller de l'avant avec notre projet. Donc là, on a commencé à regarder comment est-ce qu'on allait l'installer là-bas. Et assez rapidement, on a compris que les petites différences faisaient que ça ne marcherait juste pas du tout, parce que les petites différences sont finalement énormes. Donc, on a développé une version 3 de notre système de dépôt électronique de projets de recherche pour évaluation éthique et scientifique. Et on commençait à trouver que le nom était un peu long. Donc, on a offert à Mme Leboeuf de le rebaptiser. Et Mme Leboeuf, qui aime beaucoup l'OSM et qui disait que son système orchestrait et organisait ses projets de recherche, a décidé de l'appeler Nagano. Donc, on était de l'avant avec ce nom-là, avec la version 3 qu'on a déployée donc, au CHU de Québec il y a peut-être 5 ans de ça. Et puis après ça, à l'IUCPQ. À l'OIH La Fontaine, au C3S de l'Estrie, au C3S-UGS à Sherbrooke, au CHU de Sherbrooke, au HEC. À Montréal, on l'a déployé à l'ICM, on l'a déployé au CHU de, en fait, au CHUM, à l'Université de Sherbrooke. Bref, on s'est promené un petit peu partout. On en a présentement 12, 14 et on en a au moins 3 ou 4 en déploiement. Donc, on se retrouve avec la version que je vais vous présenter aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre. Bonjour. Ça va bien? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, interrompez-moi, puis je vais me faire un plaisir de vous répondre. Si jamais c'est un point auquel j'arrive, je vous dirai simplement que j'y arrive, puis on y arrivera quand on y arrivera à ce moment-là. Donc, pour les fins de la présentation, je vais faire le tour avec deux comptes. Un compte qui est un petit peu plus vide, là un petit peu moins parce qu'on l'a utilisé tantôt, mais quand même un peu plus vide, et un compte qui a un petit peu plus de contenu. Et bon, c'est ça, vous allez voir les différences un petit peu. Donc, pour vous connecter dans Nagano, localement, vous pouvez marquer dans n'importe quel furteur, c'est pas vrai ce que je viens de dire. Je commence. Localement, vous pouvez dans Chrome idéalement, dans Safari, pas de problème, dans Explorer 8 et plus, idéalement 9 et plus, mais 8 et plus, il n'y a pas de problème non plus. Vous connectez en marquant simplement Nagano dans la barre d'adresse en haut. On supporte également Firefox? Non. Firefox fonctionne, on ne le supporte pas officiellement. Jusqu'à présent, il fonctionne. On avait fait des correctifs dernièrement pour être sûr que ça continue à fonctionner.
Tant que le maintien n'est pas trop lourd, on va continuer à s'assurer que ça fonctionne, mais officiellement, on ne le supporte pas. Mais on l'a à l'œil. Donc, si jamais vous l'utilisez, que vous avez un problème, envoyez votre problème vers le bureau de l'éthique et nous, on va évaluer si on le corrige. Si c'est mineur, on va le corriger, il n'y a pas de problème. Donc, une fois qu'on a notre furteur, pour se connecter, comme j'expliquais, Nagano dans la barre d'adresse, de chez vous, ça va être nagano.chu.sj.org. Et va prendre après ça, donc vous allez arriver à votre système d'authentification et ça prend votre code Windows pour vous connecter, tout simplement. Si jamais ça ne fonctionne pas, encore une fois, avertissez votre bureau de l'éthique. C'est probablement que votre compte n'a pas été rajouté au groupe qui ont le droit de se connecter sur Nagano. Une fois connecté, on va arriver sur la page d'accueil qui est celle-ci. La page d'accueil se divise en deux sections, outre évidemment le petit menu en haut. La section de gauche qui est la section des activités, en fait c'est un petit peu un mur d'activités, et la section de droite qui est à mon avis la section la plus intéressante de Nagano. On va y revenir. Donc le mur d'activités, c'est l'espèce d'observateur. Donc Nagano, il va observer ce que vous faites et il va simplement vous dire ce que vous avez fait. Donc si par exemple, vous créez un projet de recherche, Nagano va vous dire, vous avez créé un projet de recherche. Si après ça, en créant votre projet de recherche vous appartient, il va vous dire, vous avez ajouté vous-même comme utilisateur à votre projet de recherche. Évidemment, en créant votre projet de recherche, ça a rajouté un formulaire. Donc Nagano va vous dire, vous avez rajouté un formulaire à votre projet de recherche. Et ainsi de suite, il y a énormément d'informations. Ne vous inquiétez pas, on filtre tout ça. Et présentement, tantôt, j'ai fait des trucs, et il n'y a même rien d'indiqué. Donc ça vous donne une idée. Mais c'est parce qu'on met des filtres pour cacher ou afficher à notre choix certaines choses. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut gérer tout ça, parce que ces filtres-là ont une fonction très intéressante, c'est qu'on peut décider où d'afficher ou pas, mais aussi où d'envoyer un email ou pas. Donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir commencer à dire à Nagano, ben, envoie-moi des avertissements par courriel. Donc, par exemple, si mon projet demande un renouvellement, avertis-moi courriel et affiche-le sur ma page d'accueil. Si quelqu'un m'envoie une question, envoie-moi un courriel, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu à ça que ça sert de ce mur d'activité. C'est à gérer un petit peu ce qu'on veut faire, on va avoir comme avertissement. Néanmoins, la partie la plus intéressante, c'est celle-ci. À l'exception probablement de la boîte projet actif qui est dans le bas. Cette section-là, c'est pas un observateur. En fait, c'est ce qu'on s'attend de vous. Donc, outre le fait qu'on ne peut pas jamais deviner si vous avez un nouveau projet que vous voulez démarrer, on peut savoir quand même le reste. Donc, on s'attend à ce que vous déposiez votre projet, on s'attend à ce que vous fassiez compléter votre renouvellement. Vous avez un formulaire que vous avez démarré, mais vous ne l'avez pas déposé. On s'attend à ce que vous le déposiez. On vous a envoyé un formulaire avec des correctifs dans lequel on vous demande de faire les correctifs. Il y aura une boîte qui va vous dire que vous avez des correctifs à compléter. Votre projet a été approuvé conditionnellement. On vous envoie les conditions. Il y a une boîte qui va vous dire que vous avez des conditions à compléter, et ainsi de suite. Une fois que ça a été complété, les boîtes vont disparaître. Donc, grosso modo, dans Nagano, pour vous, il y en a un peu moins, mais au total, je pense qu'il y a 18 types d'avertissements qui existent présentement. Donc simplement, quand vous avez une boîte, ben, vous cliquez dessus, vous vous promenez dedans, vous complétez la tâche et elle va simplement disparaître. Donc dans le cas présent, le système me dit qu'il y a un nouveau message qui a été créé. Tant que je ne l'ai pas lu, elle va rester là. Et ensuite ça me dit que j'ai un formulaire qui a été démarré et non déposé. Tant que je ne le déposerai pas, la boîte va également rester là. Donc, par exemple, je vais voir mon message. Je l'ai vu. Ça me dit, donc c'était une question qu'on a fait en début de semaine. J'ai dit, il fait beau, puis-je déposer demain. Et maintenant que je l'ai vu, ma boîte devrait disparaître. Elle a disparu parce que j'ai vu le message qui a été écrit. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Dans ce cas-ci, c'est assez simple, parce que je n'ai pas besoin d'y répondre. C'était juste, est-ce que je le vois? Mais dans le cas de ce formulaire-ci, même si je vais voir le formulaire, il ne va pas disparaître. Il faut vraiment que je complète la tâche, c'est-à-dire de le déposer ou de l'effacer à la limite. Mais tout seul, il ne disparaîtra pas. Donc, on va aller voir le menu. Le deuxième onglet, c'est l'onglet de projet. Je clique dessus. On arrive à une page qui contient mes projets. J'en ai déjà quelques-uns qui sont en préparation ou qui ont été déposés, qu'on a fait tantôt. Donc, on va en refaire d'autres. Mais cette page-ci est en différentes sections. Donc, on va voir les projets qui sont en préparation, les projets déposés, les approuvés, les projets archivés ou terminés. Il y a 4 ou 5 sections au total. En temps normal, les sections vides n'apparaissent pas à l'exception des projets approuvés. Qui nous amène à vous parler d'ailleurs de vos anciens projets. Vos anciens projets, ils vont être ramenés dans Nagano aujourd'hui ou ça a été fait hier, je n'ai pas vérifié ce matin.
Donc, ça a été fait hier, peut-être en après-midi. Sinon, ça va être fait aujourd'hui. On vous ramène tous vos anciens projets avec environ, qu'on va compléter avec environ 18 questions. Donc, on va mettre le titre du projet, le numéro, le chercheur principal, l'éco-chercheur, le résumé. Bref, on met environ, comme je dis, environ 18 informations dans vos projets. Mais on n'a pas les fichiers, donc on n'a pas le protocole, on n'a pas certaines choses. Donc, lors du premier renouvellement, on va certainement vous demander de venir compléter certaines choses juste pour venir compléter le projet dans Nagano. Mais lors du renouvellement subséquent, donc dans un an et quelques, ces questions-là vont simplement disparaître. Donc, donc les renouvellements subséquents vont être plus courts. On va se créer un projet qui est dans mon coin supérieur droit, dans Nagano, que ce soit un nouveau projet, un nouveau formulaire, un nouvel utilisateur, un nouveau message. Dès que c'est nouveau quelque chose, c'est un bouton rouge dans le coin supérieur droit. On essaie de toujours garder la même nomenclature. Donc, regardez cet endroit-là. Évidemment, un nouveau formulaire n'est pas disponible si votre projet n'est pas encore approuvé. Donc, au début, on va créer un nouveau projet. Le projet va progresser. Tant qu'il n'est pas approuvé, vous ne pouvez pas rajouter un formulaire additionnel. Cependant, si jamais c'est le cas, avisez votre bureau de l'éthique. Eux peuvent le rajouter pour vous. Mais sinon, tant que le projet n'a pas atteint l'approbation, vous ne pouvez pas commencer à rajouter des formulaires ou des correspondances. Donc, pour le bien de la présentation, on va se créer d'abord un projet normal, en fait. Donc, un projet local qui n'est pas multicentrique. Je vais l'appeler HSJ N2. Voilà. Donc, on me demande ensuite si c'est un projet multicentrique. Je ne vais pas cliquer, je vais laisser tel quel et je vais choisir que c'est un essai clinique. Je vais vous parler de deux petites choses ici. Pour commencer, l'identifiant Nagano, que j'ai appelé HSJ avec un S de trou. Je vais corriger ça. HSJ 22, c'est un nom que vous donnez. C'est ce que vous voulez. C'est pas important. C'est une façon pour nous de lister le projet après ça dans le système. Et qui va être disponible via les moteurs de recherche. Mais c'est une façon à vous de l'appeler. C'est pas officiel. Alors, mettez un nom court, un nom qui est révélateur pour vous, qui vous permettra de l'identifier facilement. Évidemment, si vous mettez des noms trop longs, vos listes de projets vont également s'alourdir. Donc, on vous suggère vraiment de mettre un nom court. Et je le dis, mais malgré que le fait que je le dis, j'ai déjà vu des projets qui portent des noms de 255 caractères, la limite. Mais je vous suggère quand même de laisser de vous limiter. Ici, j'ai choisi comme type de projet essai clinique. Présentement, ça ne change pas grand-chose que vous preniez un essai clinique ou autre. Je vous le dis. Mais au courant de l'été, les formulaires vont être un petit peu changé. Donc, en fait, votre essai clinique, c'est le formulaire qu'on va voir ensemble, c'est le bon. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'une étude sur dossier, par exemple, on va prendre un formulaire qui est raccourci. Donc, on va retirer les questions qui sont liées à l'essai clinique et on va vous donner l'option que quand vous choisissez études sur dossier, bien, que le formulaire soit plus court et ainsi de suite. Donc, on aura comme ça plusieurs types de projets. Dépendamment de votre type de projet, le contenu va être, le formulaire va être plus court. Je vais créer mon projet. Maintenant, il apparaît ici dans mes projets en préparation. Et tout de suite, vous voyez le bouton déposer qui est bleu. Dans votre cas, vous allez le voir en gris pâle parce que tant que les questions obligatoires n'ont pas été complétées, vous ne pourrez pas déposer le projet. Une fois que ces questions-là auront été complétées, vous pourrez le déposer. Donc, le numéro et l'identifiant Nagano me permettent de rentrer dans le projet comme tel, alors que le raccourci ici, formulaire 11, me permet de rentrer dans le formulaire lié à ce projet, donc le formulaire qu'on va devoir compléter. Je vais revenir sur ma page d'accueil. Page d'accueil, vous pouvez voir que maintenant, j'ai mon projet HSJ 22 qui est apparu avec mon formulaire à compléter. Donc, tant que ça ne sera pas complété, ce formulaire va rester sur ma page d'accueil parce que j'ai quelque chose à faire. Vous allez le voir. Donc, le formulaire, en gros, ça ressemble à ceci. Les questions sont sauvegardées indépendamment l'une des autres. Vous pouvez commencer maintenant, revenir plus tard. Faire une question, venir la modifier plus tard, il n'y a aucun problème. Tant et aussi longtemps que votre projet n'est pas déposé, vous pouvez revenir en tout temps. Les questions, comme je vous disais, sont sauvegardées indépendamment. Ce que ça fait, ce que ça permet plutôt, c'est que si à un moment donné, vous avez un autre formulaire à répondre, ces questions-là, qui ont déjà été répondues dans le passé, ils vont venir se remplir par elles-mêmes. Par exemple, lors d'un renouvellement, si on vous demande qui est le chercheur responsable au CHU Sainte-Justine, ça va se remplir tout seul parce qu'on a déjà la réponse, on l'avait déjà inscrit une fois. Donc, ça permet en fait d'avoir des formulaires qui sont, de façon de parler, répondus d'une façon accélérée et d'avoir, dans le cas de Sacré-Cœur, le renouvellement présentement se complète à peu près à 52%. Donc, la moitié vient se compléter tout seul. Évidemment, les données qu'il faut actualiser
ne se complètent pas, ce qui n'est pas tout à fait vrai, peuvent se compléter, mais vous allez devoir venir les modifier. Donc, par exemple, si on demande à combien de participants de recherche vous êtes rendu, on va peut-être vous donner la réponse de la dernière fois que vous l'avez complétée. Évidemment, vous allez pouvoir la modifier, cette réponse-là, et mettre votre nouvelle réponse actualisée. Alors que d'autres, comme le chercheur responsable ou Shushan Justine, vont probablement vous donner la réponse, mais on va bloquer la question. Donc, on ne permettra pas de venir la modifier. L'objectif étant que si vous avez besoin de transmettre une copie PDF de votre formulaire qui a été déposé, bien, vous avez quand même l'essentiel important du formulaire qui se trouve sur le formulaire. Donc, c'est pour ça qu'on vous pose quand même la question, mais on la répond pour vous. Si je complète ma première question, bon, je dis que mon chercheur principal, ça va être Anne Solo, et que je sauvegarde, vous allez voir, la question va passer au vert. Donc, une question verte est une question complétée, alors qu'une question orange est une question obligatoire qui m'empêche le dépôt. Donc, tant que j'ai du orange, je ne peux pas déposer. Et les questions blanches, c'est celles qui sont probablement obligatoires, mais qu'on sait qu'il est possible que vous n'ayez pas de réponse. Du genre, la question du co-chercheur, il est possible que vous n'ayez pas de co-chercheur, donc on ne peut pas la mettre orange. Parce qu'on vous demande directement le co-chercheur. On aurait pu la mettre orange si on vous pose la question en premier. Avez-vous un co-chercheur? Oui, non. Mettez oui, on vous demande c'est qui. Vous mettez non, on ne vous pose pas d'autres questions. Dans ce cas-là, on pourrait la mettre en orange parce que nécessairement, il y aurait une réponse à donner. Donc, on complète comme ça les différentes questions du formulaire. Et quand on arrive à la dernière, question signature, la procédure locale vous demande que le chercheur principal, en fait le chercheur responsable, vienne signer le formulaire. Donc, vous, si vous êtes le coordinateur de projet, le coordinateur, donc l'assistant de recherche, vous ne pouvez pas signer pour votre chercheur principal. Donc, comme j'explique, on va vous demander que votre chercheur vienne le signer. Ce que vous allez devoir faire, c'est donner accès à votre projet à votre chercheur responsable. Comment est-ce qu'on fait ça? On a deux façons. On retourne dans la section projet, on va cliquer sur le petit numéro, ou bien on va cliquer sur le petit nom du projet, ou bien je vais simplement ici cliquer sur retour, ce que je vais faire tout de suite. Et je vais dans l'onglet utilisateur. Donc là, je suis dans mon projet, vous pouvez le voir ici, HSJ22. Je vais aller dans la section utilisateur. Oui. Vous avez chaque question est sauvegardée. Oui. Chaque question que vous avez complétée s'enregistre quand vous la complétez. C'est sûr que si vous avez la question résumé de projet, puis que c'est une question assez longue, vous complétez la moitié, vous partez jouer une partie de cartes avec vos amis, vous revenez 2 heures plus tard, le système est tombé en veille, vous êtes déconnecté, vous n'avez pas sauvegardé votre question, vous allez la perdre. Donc, il faut la sauvegarder. Quand vous avez fait, quand j'appuie sur le bouton continuer, je vais revenir dans 2 secondes. Je vais juste rajouter mon utilisateur, puis je vais vous montrer. Là, je vais m'ajouter un utilisateur, donc utilisateur, nouveau, bon, Anne Solo. Là, maintenant il a accès au projet. Si jamais je clique ici, Anne Solo va également recevoir les avertissements de ce projet-là. Je le déclique, excusez-moi. Il ne recevra pas les avertissements de ce projet-là. Donc, si votre chercheur principal ne veut pas être mis au courant, il dit que c'est votre responsabilité, pas de problème, faites juste décocher ici. Il ne recevra pas de courriel à l'exception des documents officiels, donc les approbations, etc., les certificats éthiques. Oui. Seulement avoir accès à leur projet. Je vous les ai par des commentaires. Il peut le changer, il n'y a aucun problème. Je vais répondre, je vais revenir à sa question, puis je vais vous parler justement d'un conflit potentiel si jamais quelqu'un voudrait faire des changements en même temps que vous. Je retourne à mon formulaire. Donc, si je prends une question, par exemple, titre en français. Regardez ici le bouton sauvegarder, continuer. Donc, je vais mettre mon titre, mettons. Sauvegarder, continuer, ma question, elle est sauvegardée. Je peux sortir, revenir, il n'y a pas de problème. On peut voir, elle est verte et celle de tantôt, elle est là aussi. Si quelqu'un veut faire des changements en même temps que vous, il n'y a pas de problème. Le seul risque possible, c'est si tous les deux, en même temps, on va dans le même projet, dans le même formulaire, et que là, en même temps, on clique sur titre en français. Donc, les deux, on se retrouve avec la réponse qui est ici. Les deux, on décide de la changer. Le dernier qui va sauvegarder, c'est sa réponse à lui qui va être maintenue. C'est très peu probable, c'est jamais arrivé. Ceci étant dit,
On aura quand même, nous, dans notre système, les deux réponses. Parce que la première était la réponse, si on veut pas d'origine, la première enregistrée, nous, on l'enregistre, la deuxième écrase la version précédente. Nous, on archive tout ce que vous faites. Les coups de souris, les clics que vous faites, tout est enregistré de notre côté. Évidemment, le formulaire ne va vous présenter que celle-ci, mais à la limite, c'est même pas perdu. Ça arrive. C'est quand même assez rare qu'ils sont plusieurs, mais oui, ça. Oui, voilà. Donc, une fois que tout est complété, notre chercheur, en fait, notre excusez-moi, responsable au Sainte-Justine va devoir venir signer. Ce qu'il a à faire, c'est qu'il va cliquer sur la question signature et il va cliquer sur le bouton. Nous, on regarde qui est connecté, on inscrit son nom. Donc, c'est comme ça qu'il vient signer. Une fois que c'est fait, sauvegarde évidemment. Et après ça, ben, il va tout simplement, il peut déposer, vous pouvez déposer, quelqu'un peut déposer, il n'y a pas de problème. Là, on arrive à la fin du formulaire, c'était la dernière question, le système nous a dit, ah, votre formulaire est terminé. Cette boîte-ci, en fait, elle ne fait rien. Donc, si je clique sur retour au projet, je rentre dans le projet, si je clique sur annuler, je reste dans le formulaire, ce que je vais faire d'ailleurs. Dans tous les cas, le formulaire n'a pas été transmis. Donc, il faudra transmettre, en fait, c'est un formulaire de projet, il faudra transmettre le projet. Si vous ne le transmettez pas, il va rester sur votre page d'accueil. D'ailleurs, on va voir, il est encore sur la page d'accueil. Il n'a pas été transmis. Il faut le transmettre et ce n'est pas la fin du formulaire qui va le déclencher. Parce qu'évidemment, vous pourriez sauter des questions, vouloir revenir plus tard, etc. Donc, on va aller le transmettre, je vais rentrer dans le projet. Je peux cliquer ici sur Déposer ou, comme je vous l'ai montré tantôt, en cliquant sur le deuxième onglet, l'onglet Projet. Je vais voir ceux que je peux déposer. Normalement, ça, comme j'expliquais, ça va être grisé. Si tout a été complété, on peut le déposer. Évidemment, moi, c'est une version démo. On ne veut pas tout compléter. On finirait jamais. Donc, je vais le déposer. Donc là, j'ai déposé mon projet. Ça va vers le bureau de l'éthique. Le bureau de l'éthique, eux, de leur côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le regarder. Ils vont identifier si le projet a bien été répondu. S'il y a des questions qui sont restées blanches et qui n'auraient pas dû l'être, ils vont simplement prendre ces questions-là et vous retourner les questions à problème. Ils vont retourner en fait la totalité du formulaire, mais les questions qui vous ont retourné, seulement celles-là seront modifiables. Je vais vous montrer dans 2 minutes comment est-ce que ça se produit. Avant de faire ça, on va se créer 2 autres projets. Le premier qu'on va appeler Artesia. Artesia, c'est un projet qui provient de l'UCPQ, qui a eu lieu fin du mois d'avril, début mai. Et je vous le parle de celui-là parce que c'est un projet qui est intéressant. C'est un projet qui est multicentrique, dont eux sont le CER évaluateur. Donc, ils l'ont évalué et suite à l'évaluation, ils ont décidé de faire parvenir aux autres centres participants un fichier d'importation. Comme ça, les autres centres n'ont pas besoin de compléter tous les formulaires par eux-mêmes. Eux ont envoyé un fichier qui allait compléter pour eux le formulaire. Donc, je vais dire que c'est une évaluation éthique dans cet établissement. Non. Là, on me demande d'indiquer qui est le CER évaluateur. J'ai besoin de l'indiquer si je n'ai pas de fichier. Qui va venir importer le projet. Dans ce cas-ci, j'en ai un. Donc, je n'ai même pas besoin de répondre à ça. Il est ici. Donc, j'insère mon fichier. Je n'ai pas besoin de répondre à ça non plus, dans le fond, parce que la réponse est également dans le fichier. Et après ça, on me demande le type de projet de recherche. Donc, je veux dire, c'est un essai clinique. Et je le crée. Ben Nagano est en train de lire le fichier d'importation. Et une fois que c'est fait, il me dit, bon, la mise à jour a été faite. Je vais regarder le formulaire. Et il y a à peu près, vous voyez les questions vertes, il y en a quand même beaucoup. Donc, vous avez comme ça la liste de ce qui a été complété. Vous pouvez le modifier, il n'est pas déposé. Donc, c'est encore à vous qui est libre de faire les changements nécessaires que vous jugez pertinents. Mais l'information a été complétée. L'information, en fait, qui a été complétée va provenir d'un autre centre. Comme ça, vous avez un gain de temps. On a fait des tests quand même avec 6-7 centres. On va chercher à peu près 75 à 85 %, dépendamment des centres qui vont se compléter d'un centre à l'autre. Donc, c'est quand même intéressant. Si c'est le cas, que vous avez un projet dont le CER évaluateur est un autre centre avec Nagano, faites la demande pour avoir le fichier d'importation. Malgré tout, vous auriez pu commencer le projet par vous-même et demander le fichier d'importation de façon ultérieure. Si jamais je fais ça, je vais dans mes onglets ici, il y a un onglet multicentrique qui est apparu. Et je peux à partir d'ici mettre à jour le projet. Quand je voudrais le mettre à jour, le système m'a posé quelques questions de base en me demandant, donnant la réponse et en me demandant de la réécrire juste pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur.
Et donc, il va venir à ce moment-là mettre à jour le projet. Pour revenir à mes projets, je m'en crée un troisième. Le troisième, on va être CER évaluateur. Donc, c'est un projet multicentrique qui va être évalué ici. En fait, on voudrait qu'il soit évalué ici, parce qu'on ne sait pas encore si ils vont accepter de l'évaluer. Donc, je l'appelais, je ne sais pas moi, MP, Bob. Voilà, c'est mon projet. Un projet multicentrique, au moins deux centres. Oui, évaluation éthique dans cet établissement, on va le demander. Un projet commenté par l'industrie? Non, pas dans ce cas-ci, admettons, c'est votre choix. En fait, vous connaissez la réponse. Et ça va être un essai clinique aussi. Je crée mon projet. Et là, il y a une particularité. Donc, celui-ci, formulaire m'a été choisi. Je complète les questions et j'en ai seulement 7. En fait, suite à la complétion de ces 7 questions-là, je vais envoyer mon projet au bureau de l'éthique. Le bureau de l'éthique va regarder, va dire oui ou non, on l'évalue. Et s'ils disent oui, vous allez avoir le formulaire intégral qui va apparaître. Ces questions-là que vous aurez déjà répondu ne seront pas perdues. Ils vont s'insérer dans le formulaire intégral. En fait, vont venir se compléter. Et vous allez recevoir avec ça un certificat d'autorisation d'évaluation que vous allez devoir probablement transmettre aux autres centres participants. Je ne le ferai pas, parce que ça va prendre un certain temps quand même. Puis on va passer tout de suite à... Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe si jamais on a envoyé un formulaire vers le bureau de l'éthique et Nicole, par exemple, a demandé d'avoir certaines explications additionnelles. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a une autre boîte qui s'appelle formulaire ouvert. Donc, ça, c'est quoi un formulaire ouvert? C'est un formulaire qui a été envoyé de leur côté, ils ont regardé et qui nous ont retourné. Donc, si je clique dessus, je vais évidemment rentrer dans mon formulaire. Et le système va m'amener directement à la première question, non, en fait, je ne dirais pas non répondue, mais la première question, est-ce qu'on me demande un changement? Tout de suite, on peut voir que les autres questions sont barrées. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller les voir. Je peux aller les voir, mais je ne peux juste rien modifier. La première question qu'on me demande, c'est celle qui est en bleu. Et on aurait pu avoir un commentaire. Dans ce cas-ci, je n'ai pas de commentaire, mais il aurait pu avoir un commentaire bleu en dessous qui aurait dit « Veuillez ci ou ça ». Donc, bon, c'était... Je sauvegarde, je complète ma question, je sauvegarde. Ici, j'ai un commentaire qui dit « Veuillez ajouter les autres centres participants. » On sait qu'il y a 3 centres, effectivement, il y en a juste 2. Donc, je vais rajouter mon troisième centre, qui est, admettons, je ne sais pas moi, Maisonneuve-Rosemont. Je veux dire qu'on me pose la question « Est-ce que le nombre de patients recrutés dans cet établissement est-il connu? » Si je réponds oui, on va me poser d'autres questions. Je vais répondre non. Ça veut dire que c'est ça que vous devriez faire, mais bon. Et voilà, j'ai répondu à mes 2 questions qui m'ont été retournées. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, encore une fois, je peux retourner au projet ou annuler. Je vais retourner au projet cette fois-ci et je vais simplement déposer. Maintenant que j'ai déposé, si je reviens sur ma page d'accueil, vous pouvez voir que la boîte qui me disait que j'avais des formulaires ouverts est disparue. Donc, avec ce compte-ci, il me reste présentement 2 dernières choses à compléter. Ça amène justement à ce projet-là. C'est un projet qui est un peu plus complet, dans lequel, qui a déjà été approuvé. Donc, si je vais sur ma page ici de projet, je peux voir que le projet est approuvé, dans la section approuvée. Donc, je rentre dedans et si je vais dans la section formulaire, j'ai un bouton nouveau qui apparaît. Donc, je peux venir ajouter des formulaires additionnels à mon projet. Donc, un SAE, un amendement, etc. Je n'ai pas parlé du renouvellement comme formulaire que je peux rajouter. Pourquoi? Parce que le renouvellement va arriver par lui-même. Il va arriver où? Sur votre page d'accueil. Il va venir apparaître ici, ça va être marqué « Renouvellement ». Avec, par exemple, le nom du projet, et après ça, ça va être marqué formulaire 8 ou formulaire 9, je ne sais plus par cœur c'est quoi le numéro du renouvellement, et il va être déclenché automatiquement par le système et par le bureau de l'éthique. Il va arriver 2 mois à l'avance, un peu plus de 2 mois à l'avance, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on revient 2 mois en arrière et on le ramène au début du mois. Donc, si le projet doit être renouvelé pour le 24 juin, on vous ramène ça au 24 mai, au 24 avril, au 1er avril. Donc, le 1er avril, vous allez avoir une boîte qui va apparaître ici, qui va vous demander, qui va vous dire que vous avez un formulaire, un renouvellement à compléter. Évidemment, quand elle va apparaître là, vous allez avoir une activité qui va dire « Ah, le bureau de l'éthique, donc un petit carré bleu comme ça, a déposé un formulaire dans votre projet XYZ et à 1h du matin, un email va vous être envoyé pour vous dire qu'il y a une activité qui est apparue sur votre page d'accueil. » Donc, vous n'avez pas besoin de vous connecter tout le temps. Il y a des activités comme ça qui vont venir apparaître. Comment est-ce que je fais pour contrôler ça? La première des choses, si je viens le matin et que je ne veux pas avoir de courriel qui arrive pendant la nuit, parce que mettons que ça a été produit pendant la journée, je vais juste cliquer sur le petit X
et ils disparaissent. Et quand ils sont tous disparus, il n'y aura pas de courriel. Évidemment, si un courriel vous est envoyé et que ça contient les informations ici, demain, même si vous n'avez pas été, on ne vous enverra pas un deuxième courriel. On va vous l'envoyer une fois. Maintenant, ceci, comment est-ce qu'on fait pour le gérer, dire qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas? On va aller sur notre petit personnage ici, notre profil, et on est dans suivi d'activité. Donc, il y en a quelques-unes qui sont cochées, donc tableau de bord plus courriel. Nous, à l'avance, pour vous, on précoche tout ce qui concerne les transitions de projet et de formulaire. Quand je dis transition, ça veut dire, à l'exception des ajouts, ça veut dire formulaire qui a été déposé, un formulaire qui a été approuvé, un formulaire qui vous a été envoyé, un formulaire qui vous a été retourné. Ça, pour moi, c'est des transitions. Donc, les transitions de formulaire et les transitions de projet, on les dépose par défaut sur votre tableau de bord et donc par courriel. Si jamais vous ne le voulez pas, simplement venir à décocher et ça vient d'être réglé, vous ne le verrez plus jamais. Même chose, là, je l'ai décoché, mais je n'ai pas décoché courriel. C'est-à-dire que lui n'apparaîtra plus sur mon tableau de bord, mais qu'il va m'être envoyé tout le temps par courriel quand même. Je ne peux pas l'avoir par courriel, je le décoche. Ça peut être très bien aussi l'inverse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bouton sauvegarder d'ailleurs ici, c'est sauvegarder. Donc, je vais page d'accueil. Est-ce qu'il y a autre chose que je ne vous ai pas dit? J'ai quand même fait pas mal le tour. J'attire votre attention dans le bas ici, il y a un guide de l'utilisateur. Si vous avez des questions subséquentes, que vous dites « Ah, comment je fais ça? Je ne m'en rappelle plus. » C'est quand même assez bien détaillé. La version Nagano a légèrement changé, mais c'est quand même très, très, très proche. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver assez facilement. Une bonne question. Oui, alors ça devrait avoir été fait ou hier en début de soirée ou ça devrait être fait aujourd'hui. Donc, ça devrait se faire très incessamment. Vous devriez avoir tous vos projets qui ont été mis à votre nom et également les chercheurs principaux vont également avoir accès à leurs projets. Donc, ça devrait se faire très, très prochainement. Si ça n'a pas déjà été fait, je n'ai pas vérifié. Il est possible que ça ait été fait aussi. Oui. Oui. Vous me dites, excusez-moi, je sais. OK, non, ça, c'est en fait, c'est la légende des couleurs qui est ici. Donc, si l'activité est en jaune, ben, ça a été produit par votre équipe de recherche. Si c'est produit par vous, il va y avoir un carré blanc. Si c'est produit par le bureau de serre, c'est un carré vert, etc. C'est pour avoir un aperçu rapide de qui a produit, voilà, exactement, qui a produit l'activité. Les autres onglets qui sont ici, ben, messages, ça vous permet d'envoyer des messages à... quelqu'un hein, ou pour un projet. Donc, si je fais par exemple une nouvelle discussion, je vais mettre, mettons, là ici j'ai le choix. Est-ce que j'attache ça à un projet ou j'attache ça à une personne? Donc, si je veux mettre ça à une personne, je vais l'envoyer à Nicole. Et je peux écrire mon message et elle va recevoir ce message-là. Si à l'inverse j'avais choisi projet, le message qui va être envoyé au bureau de l'éthique. Il va venir se rajouter dans mon projet et là, tous les membres de mon équipe vont pouvoir voir le message. Calendrier, en fait, c'est la liste des différentes réunions qui vont apparaître là-dedans au fil du temps. Et activité, c'est tout ce qui est sur votre tableau de bord, mais sans filtre. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a généré. Vous pouvez voir d'ailleurs, tantôt, on a déposé un formulaire. On l'a fait avec Darth Vader, mais c'est la même chose avec lui. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est pour ça qu'il est blanc. Et ainsi de suite. Donc, ça suit le même code de couleur. Donc, activité, c'est simplement les activités du tableau de bord, mais sans les filtres, sans rien qui est caché. Non, c'est parfait. Je vous invite d'ailleurs à venir demain matin, demain après-midi. Si personne ne pose de questions, ben, vous serez là. Le CR animal va suivre ultérieurement. Oui, donc on commence avec... Oui, et pour vous... Vous n'êtes pas obligé de revenir à la formation et en plus, tous vos projets vont être jumelés ensemble. Donc, vous allez avoir un petit carré de couleurs qui va apparaître ici devant. Je ne connais plus les couleurs par cœur. Je pense même qu'ils peuvent les choisir eux-mêmes. Donc, l'éthique humaine va avoir sa couleur, l'éthique animale va avoir sa couleur. Alors que pour eux, c'est deux systèmes différents. Pour vous, tout est réuni. Et s'ils ont des documents, les documents peuvent que eux vous mettent, vous donnent accès, ils vont venir s'accumuler ici en dessous d'un côté ou de l'autre ou dans la section documentation qu'on retrouve ici. Je peux vous répondre à ça.
Donc, si je retourne dans un projet, dans ce projet-ci, par exemple, je vois le formulaire. Avoir accès au formulaire? Non. Voir. Projet-là, tiens, on va voir le formulaire. Ah, il est déposé. Bon, on va se créer un nouveau projet rapidement. Voilà, ça va ici, nouveau projet. Donner un petit nom russe. Là, maintenant j'ai mon formulaire qui va m'être proposé. Je vais dans mon formulaire. Dans la section fichier, vous allez avoir un endroit où il faut insérer la lettre départementale qu'il faut faire signer par votre responsable du département ou chef de département. Et les co-chercheurs et le chercheur principal, une fois que votre projet sera déposé, vont recevoir un courriel qui va leur dire, le chercheur principal devrait être au courant, mais les co-chercheurs vont recevoir un courriel qui vont leur dire, attention, tel projet a été fait par tel chercheur principal et par tel chercheur, excusez-moi, responsable au Sainte-Justine, et vous avez été identifié comme co-chercheur. Il va y avoir, ça va être envoyé à chacun des co-chercheurs. Donc, ils vont être avisés par courriel. Vous pouvez leur donner accès s'ils sont locaux et que vous voulez leur donner accès, il n'y a pas de problème. Mais sinon, de toute façon, eux seront avisés par courriel. Le système de courriel va être activé dans environ 2 semaines. Donc, on attend que le système démarre, que les projets soient tous intégrés, que tout roule bien. Et après ça, on va activer le système de courriel. Il n'y a pas de code, il ne pourra pas accéder au dossier. Non, ça va prendre son code, absolument. D'autres questions? Bon, ben, merci de vous être déplacé. Moi, c'est terminé.